Cher Castelroussine, cher Castelroussin, cela fait plus de 6 mois que mon équipe et moi-même travaillons au quotidien afin de donner une nouvelle ambition pour Châteauroux. Les projets, les enjeux, les objectifs ne manquent pas pour faire du territoire Castelroussin un territoire fort et attractif. Notre premier chantier ouvert a été celui de la mutualisation de nos collectivités. Avec le rassemblement des services de la ville et de la communauté d'agglomération, nous souhaitons rendre plus visibles nos actions et répondre de façon optimale à vos besoins, donner du sens aux services publics. En 2015, ce sera l'amélioration de votre quotidien avec le développement des modes de paiement, avec un guichet numérique en ligne, un nouveau site internet et le développement d'une application pour smartphone. C'est un chantier ambitieux qui trouvera sa finalité au sein de cette maison, l'hôtel de ville, qui va devenir l'hôtel du territoire. Un accueil digne d'une grande ville, des services numériques personnalisés, Châteauroux et son agglomération entrent, à n'en pas douter, dans une nouvelle ère. Au moment où certains de nos citoyens sont inquiets pour l'avenir de leur travail, nous allons engager un autre chantier d'envergure, celui lié à l'emploi. Vous le savez, il ne peut y avoir de croissance, de développement sans emploi. C'est la raison pour laquelle nous sommes résolument tournés vers le monde économique. La pose de la première pierre du premier bâtiment de la zone d'activité d'Auzan, le 11 juin dernier, constitue un tournant pour le territoire Castelroussin. C'est la preuve d'un acte fort, la création d'une zone capable d'accueillir de nouvelles entreprises françaises, européennes et internationales. Notre partenaire chinois sur ce projet a lancé EuroCity, un hub sino-européen où demain, des étudiants et des entreprises viendront s'implanter. J'en veux pour preuve la reconversion de l'ancien site militaire de la Martinerie qui a commencé et se poursuivra tout au long de cette nouvelle année. J'en veux également pour preuve l'installation du site national de la Fédération française de tir qui va faire de Châteauroux une vitrine du sport français. J'attache également une importance à un autre grand chantier, celui de la reconversion du pôle Gare. En 2015, nous lancerons les études nécessaires à la valorisation de ce site amené à devenir un pôle de loisirs et un exemple de reconversion, à l'image de l'éco-campus Balzan et du centre Colbert. Nous portons également une attention particulière à l'innovation, dans le but d'aider les jeunes créateurs d'entreprises à se lancer et à entreprendre sur notre territoire. Enfin, nous sommes attachés à votre quotidien et à votre cadre de vie. 2015 sera l'année de validation des projets du centre aquatique et de la nouvelle halle des sports. Nous lancerons le nouveau plan de rénovation urbaine de nos quartiers, qui donnera du travail aux entreprises du secteur du bâtiment. Et 2015 sera aussi l'année des réalisations avec la poursuite de la mise en valeur du centre historique. Les rues Dauphine, Descente de Ville, Doré vont être rénovées dans le même esprit que la place Monestier. Nous tenons également nos engagements sur la place de la République, place qui sera revégétalisée dès la mi-janvier. Et je n'oublie pas nos premières réalisations. La super carte de stationnement avec laquelle vous pouvez stationner 2 heures gratuitement en hypercentre tous les jours. Un numéro d'appel simplifié pour joindre la police municipale. L'installation d'urgence médecin à partir de mi-janvier qui vous permettra d'avoir un professionnel de santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'effervescence d'animation en centre-ville et dans vos quartiers. Vous pouvez le constater, nous tenons nos promesses. Je terminerai sur 3 notes positives. La tenue de 3 grands événements en 2015. Le championnat mondial de voltige aérienne, la Coupe d'Europe de triathlon et les 40 ans de notre stage festival d'Arc, qui vont faire rayonner notre territoire à l'international. Chère Castelroussine, chère Castelroussin, permettez-moi, au nom de tout le conseil municipal, de vous souhaiter une très belle année 2015.